Je note tout de même que vous ne cessez de vanter les valeurs chrétiennes de la France. Je ne vais pas citer tout ce que vous dites, etc. Est-ce que vous n'avez pas eu la tentation de vous convertir? Quand je cite le christianisme, j'ajoute toujours que c'est le christianisme qui a fait la France. Et je cite toujours la phrase de Michelet, historien républicain, vous direz Natacha Polony, qui disait « Qu'est-ce que la France? Une conquête de l'Église. » Je veux dire par là, vous avez bien compris, deuxième citation et après je m'arrête, André Malraux, « Qu'est-ce qu'une civilisation? Tout ce qui s'agrège à une religion. » Donc la civilisation européenne et donc la civilisation française est adossée au christianisme. Je cite le christianisme parce que je considère qu'il peut y avoir, à côté du catholicisme, des religions minoritaires, mais il ne peut pas y avoir une deuxième civilisation sur le même sol que la France. D'accord, mais vous pourriez aller au bout d'un processus personnel. Mais là, ce serait le processus de... Cardinal Lustiger l'a fait, souvenez-vous. Ou alors peut-être qu'une fois élu, d'ailleurs... Attendez, monsieur Toussaint, je vais vous répondre. Ne vous emballez pas. Je vais vous répondre. J'estime que ça, c'est une conception politique, historique, je dirais même culturelle et je dirais même civilisationnelle. La France, c'est la civilisation chrétienne. Maintenant, il y a la foi. La foi, c'est individuel. Justement, qu'est-ce qu'invente le christianisme par rapport à toutes les autres religions, qu'elles soient antiques, la Grèce antique, etc., les dieux de l'Iliade et l'Odyssée, ou que ça soit le judaïsme même, le judaïsme des origines, ou que ça soit même l'islam, c'est que ce n'est pas la religion qui s'impose une loi à la société. Elle l'imposera plus tard, car les hommes étant ce qu'ils sont, ils le feront quand même. Mais au départ, il y a, vous connaissez cette fameuse phrase évidemment, « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Donc le christianisme invente l'intériorité dans la religion. Et c'est d'ailleurs tout le problème de l'islam qui ne l'a jamais connu. Bon, et alors du coup, et conversion du coup, quoi ou pas? Comment? Conversion ou pas? Moi, je n'ai pas la foi. Donc pas de conversion. Donc pas en de revanche, conversion. Défense de la civilisation chrétienne en France.